Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de FF15. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Entre deux épisodes, Gladio m'a laissé tomber. Il était à côté de moi, il est parti, hein. Mais ça va. Du coup, on va continuer tout de suite. Trêve de blabla. À qui je dois parler? Là-bas. Ouais, je sais pas pourquoi je m'amuse à faire le tour, hein. Je peux passer entre les poubelles. Ah, tu es là. Le maréchal m'a informé de votre prochaine mission. Majesté. Nous avons découvert un point d'accès à la base impériale. Je vais l'indiquer sur votre carte. Cette zone est particulièrement calme. Vous devriez pouvoir entrer discrètement par là. Bon, on va bien voir. Hein. C'est le moment. Ignace, il faut y aller. Juste une seconde. Comment ça, une seconde? Je commence à tousser dès le début de l'épisode. C'est pas raisonnable. Hein. Mais c'est qui exactement? Bon, on va boire un coup en marchant. Elle est où ma bouteille? Comme Gladio et moi. Avec Dustin, Monica est la préférée de mon père. Dustin qui est avec Iris en ce moment même. Ah, voir des survivants d'insomnia, ça me redonne un peu d'espoir. Ouais, enfin. Il y a mieux comme espoir quand même, hein? Faut sauter. Ah non, 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 non. Je suis juste passé par là. Mais ils attaquent pas en fait. Peur et tout. Oh. Ok, donc c'est des créatures inoffensives. Sauf quand on les attaque, nous. Ah, mais aïe! On m'a sauté dessus. Et je rêve où ça a fait rire prompto en fait. Bon, inoffensifs, pas tant que ça, mais disons qu'ils essayent pas de nous buter quoi en arrivant. Allez, passe au-dessus. Allez, passe au-dessus. Bon, je peux arrêter de boire, j'ai fini de m'étouffer. Mais qu'est-ce qu'elle fait cacher ici en fait? À partir de là, nous allons former deux groupes de combat. Prince Noctis, le maréchal vous attend un peu plus loin. Vous autres, venez avec moi. Nous allons attaquer en force pour créer une diversion. Bah ouais. Bon, à plus tard les amis. Noct, mets-leur la misère. Nous on fera pareil de notre côté. On verra bien. Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être roi, hein? Bon. S'ils font diversion, nous aurons plus de facilité à frapper vite et fort. L'Empire ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Allez, ouvre. Bon, je veux bien, mais il faut aller où sinon? Il fait quoi? T'attends quoi, hein? Allez! Ah! Salut toi! Mais
Il a cru. T'es foutu. Ouais. Mais il y en a un autre pour que la musique continue là, on en a raté. Je pourrais faire ça les yeux fermés. Non. Bon, on va continuer la route. Hein. Ah bah voilà. C'est bien, ils sont gentils, me laissent attaquer. Ils regardent et attendent que j'ai fini. Ah, il était caché, je le voyais pas. Il était dans l'ombre. Il est plus facile d'aller dehors dans les parages. Compte pas trop là-dessus. Il serait pas toujours là pour me sauver la mise tout de suite. Alors autant en profiter. Ah là là. Ouais, compris. Compris, ouais, sauf que je sais plus comment on fait en fait. Ah non, lâche-moi toi. Allez, attaque! Non, de l'autre côté! Je suis tombée, mais je l'ai fini quand même, non? fallait que je reste en haut, en fait. Non? Oh, pas forcément, on dirait. Et les autres? Tu crois qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Concentre-toi surtout sur notre mission. Ouais, ouais, d'accord. Non, ouvre. M'arrête de sauter comme un débile. Allez. Je vois rien, la caméra. C'est n'importe quoi ce que je fais, c'est pas grave. Vous dire en même temps, généralement, c'est ce que je fais et c'est ce que vous aimez voir en fait. Donc, allez, Oust. Laisse-moi récupérer de la vie après avoir fait n'importe quoi. J'ai vu ça. Ton attitude m'a empêché de me concentrer. J'aurais pu gagner tout seul. Se surestimer est le plus court chemin vers l'échec. C'est de là que je viens, non? C'est pas par là. La fille qui se perd. Ça faisait longtemps. Non mais reste pas devant la porte. Bouge. Bouge. C'est bizarre ici, c'est trop vaste. Ça y est. Je suis content de vous revoir, Maréchal. Alors, ça s'est bien passé pour vous? Comme sur des roulettes. L'Empire s'attendait pas à ça. Non, et encore moins notre duo. Et vous là, pas de plus. Corps l'immortel. Étonnant. Tu as donc réussi à t'échapper de la citadelle? Mais la légende de Kor ne survivra pas à ce qui t'attend ici. La réputation périmée va prendre fin aujourd'hui. Non, là, ça fait vieux Power Rangers dégueulasse, en fait. Comment ça arrivait sur le coup? C'était pas top. Faut l'admettre, quand même. Ok. Non mais laisse-moi finir le soldat avant. Ah, il est niveau 22. Ah ouais mais non.
Ah ouais, mais non. Mais j'avais pas mis des potions exprès là-dedans. Bon, on va prendre ça. Temps de récupérer des PV. Mais bon, d'accord. Il y aura un autre moyen de récupérer des PV. Mais il est où Prompto? Y a pas quelqu'un qui peut aller l'aider là? Ah ça y est, c'est fait. Bon, enfin je suis quand même pas fan après. Enfin c'est quoi ça? Moi ça a l'air sympa donc je continue en fait hein. Tant que je peux, j'ai envie de dire. Bon, je peux plus. Il est où Ignis? Ah c'est bon, on l'a aidé. Non mais sérieux, dès que je me fais toucher ça craint. Que quelqu'un vienne m'aider. Non, c'est cette touche-là, je me suis gouré. Non, moi je me régène, hein. Moi je suis bien là. Ah, il est par terre! Il est par terre, cette chose est à terre. Allez, encore! Ouais non, par contre là il se remet debout, je me casse. Je me casse et je me soigne. Non, Prompto, pas bien. Mais si. Non, la caméra évite de faire des trucs dégueux. Oui, je dois m'approcher pour faire ça quand même. Allez encore, allez encore. Ah non. Ah, je me suis ratée, mais c'est pas grave. C'était ça où je mourais de toute façon. Donc au bout d'un moment, hein. Au moins je suis pas morte. Par contre, j'ai mes copains, ils vont mourir. Non, t'approches pas de moi. Non, mais pourquoi? Non. Pourquoi c'est à moi que tu viens? Je crois pas où t'es en plus, ça me perturbe. Après j'ai vraiment l'impression de pas avoir le niveau non plus. Je vais mourir. Je peux encore le faire? Ah non, il est mort, ça y est. Ouais. Cette fin où je me fais exploser. Bon, on a réussi, c'est le principal. Impressionnant. Te voir en action est réconfortant. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter désormais. Mission accomplie. Je retourne espionner l'Empire. J'espère que l'on se reverra bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ouais, enfin, sinon, je m'attendais quand même pas à un boss comme ça, en fait. Là, il serait temps qu'on aille à la caravane. Parce que j'ai pas envie de perdre tout cet XP. Cet endroit est plutôt sympa quand on le connaît bien. Sauf qu'on le connaît très mal. Et qu'on a beaucoup à faire. C'est vrai. Allez, courage, c'est que le début. Non, mais je veux dormir. Ouais,
je veux juste dormir, s'il vous plaît. Ah bah c'est bon, non sérieusement. C'est la fin du chapitre. Ce jeu est rapide. Non mais le boss était niveau 20, je suis niveau 13, tout va bien sinon. Ouais. Ça c'est du photographe. Sinon je sais pas ce qu'on s'amusait à faire à ce moment-là, mais... Ah là là. Ils m'ont écouté, ils ont fait plein de photos de Gladio. Oh stylé. Mouais. C'est la fin du chapitre, vraiment. Ça se passe comment? Ah, je crois que le jeu va être très vite. J'espère qu'il fait pas la même durée que Xenoverse 2, par contre, parce que là, non. Alors, pour ceux qui se demandent si je vais prendre le Season Pass, je vais répondre juste après avoir lu ça. Chapitre 3, un vaste monde. L'Empire est un ennemi puissant et Noctis a un long chemin devant lui avant d'avoir une chance de reprendre le cristal. Il part donc à la recherche du pouvoir de ses ancêtres. Alors pour ceux qui veulent savoir si je vais prendre le Season Pass de FF15, déjà je crie au scandale qu'il y ait ce genre de choses pour un FF. Déjà quand je l'ai su à l'époque, ça m'a foutu les boules quand même, clairement. Hein. Mais étant donné que j'ai payé le jeu pas cher chez Auchan, je dévoile mes sources, allez soyons fous. Non, étant donné que mon jeu, pour être honnête, j'ai pas mis plus de 45€ dessus. Donc voilà. Au lieu de 70 chez Micromania, hein, tout va bien. Mais du coup, oui, il y a de fortes chances que je me prenne le Season Pass. Parce que ça a l'air intéressant, il y a des épisodes spéciaux Prompto, Ignis, Gladiolus, donc oui. C'est pas genre des petits bonus à la Xenoverse du genre, ah tiens, je te rajoute quelques petites quêtes parallèles et puis des costumes. Là, ça rajoute vraiment un épisode pour chaque personnage et donc ça, j'apprécie. Dans, ça m'embête qu'il y ait ce genre de choses en même temps à côté, mais dans un sens ça a l'air sympathique. Donc oui, au final, c'est comme si j'avais acheté le jeu à Micromania après, quoi. Voilà, mais là-dessus, soyez sûr qu'il y aura des épisodes sur les DLC, on va dire. Pendant que le temps de chargement prend une plombe. Bon, je l'ai pas encore acheté le Season Pass. J'attends que... Je vous avoue qu'à l'heure où je tourne, ma paye n'est pas encore tombée, donc j'attends que ma paye tombe, en fait. C'est surtout ça. Allez! Et si vous êtes curieux, si jamais je suis en train de tourner, on est le 2 décembre. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais c'est un peu loin. Ah, quand même! Ainsi, le prince a échappé à la mort. Et l'anneau, où est-il passé? Une Afreya l'a emporté dans sa fuite. Trouvez-la au plus vite, et tuez-la! Je n'ai besoin que de l'anneau. Il serait plus avisé de la capturer. Comme vous le savez, les six possèdent des pouvoirs inouïs. Et c'est par le biais des serments de l'oracle que ces pouvoirs sont accordés au roi élu. L'étudier vivante serait plus profitable, ne pensez-vous pas, mon cher grand commandant? Sir Gravus, vous êtes désormais à la tête de l'armée impériale. L'auriez-vous oublié? Cependant, nous devons d'abord les débusquer, elle et le prince. N'ayez crainte, votre éminence. Je ne connaîtrai de répit que lorsque nous les aurons retrouvés. La lumière... Je la vois... dans le cristal. Bon. Espace, j'adore ça, moi. Ouais, on va enfin quitter cet endroit poussiéreux. Les régions que l'on va traverser sont encore plus vastes que celles de l'île. C'est cool, ça. Plus grand, ça veut dire plus de trésors. Nous allons d'abord rejoindre Duskaer, célèbre pour ses marais. Des marais, passionnant. Il y a aussi une forêt de chocobos. Petit chocobo. Les chocobos. Plus à l'ouest, c'est la région de Klaigne. C'est là-bas que se trouve la ville de l'Estalou. C'est là que s'est réfugié Iris, n'est-ce pas? Ouais. C'est bien passé, elle devrait déjà y être. Elle a peut-être même déjà vu le météore, si ça se trouve. Le météore légendaire? C'est ça. Mais c'est maintenant la source d'énergie de l'Estalum. C'est vrai? Mais
Mais c'est une super idée, ça! Je dois avouer que ça m'intrigue, cette histoire. Ah, on arrivait? Ça risque d'être un long voyage. On fait le plein maintenant? Ah, il faut faire le plein. Je pense que désormais, on connaît bien la région. Noct, si t'as envie de conduire, je t'en prie. Non. Ça me va très bien que tu conduises, tu sais. Moi, je fais le plein, toi, tu conduis. On peut se mettre d'accord comme ça, hein? Comment je fais le plein, ici? Qui ça peut être? Oh, jamais tranquille. Allô? Noct? Iris? C'est vraiment toi! Quelle joie de t'entendre! Tout va bien, ici. On vient juste d'arriver à l'Estaloum. On s'est installé dans un hôtel. C'est plutôt sympa. J'espère que vous pourrez venir nous voir. Ouais. D'accord, c'est promis. À plus tard. Comment avoir c'était une quête? Iris? Et elle appelle même pas son frère. Eh bien, à sa décharge, on n'a pas encore annoncé ta mort dans tous les journaux. Et moi alors? Elle a demandé de mes nouvelles? Vous avez vu ça, les gars? Il y a un parc de chocobos! Oh là, du calme. Faut qu'on aille à l'Estaloum. Allez, il n'y a rien qui presse. On peut faire un détour. Non mais franchement... Cette question est trop difficile. Sauver le monde ou aller voir les chocobos? Ouais, ok. Allons voir ça. Ça va être trop cool. En gros, c'est ça. Sauver le monde ou aller voir les chocobos, quoi. Bah, je préfère aller voir les chocobos. Tranquille, le plein. Ça se fait tout seul et tout. Trop fort. C'est pas cher, n'empêche dans le jeu de faire le plein. Là d'abord. Bon, en fait, non, pas là d'abord, non. Ah, c'est loin les chocobos, on y va en voiture. C'est des fous. L'ami chocobo. Ignis, on se mouille là. Oui, une minute. Allez. Non, Missing Princess, ça va, on l'a entendu assez souvent, là. Allez. N'empêche, quelle question. Il y a des gens qui ont répondu non. On va d'abord à l'autre endroit. Non, je me pose vraiment la question, en fait. Non, oh non, j'ai pas envie d'aller voir Chocobo, ça m'intéresse pas. Mais il pleut, c'est nul. Enfin, ça rejoint un peu plus ma réalité aujourd'hui, en fait, mais... Ça change de la plage qu'on a eue il y a pas longtemps. Pourquoi est-ce que j'irai me garer maintenant? La musique trop épique pour aller voir des Chocobos. J'ai bien choisi, hein. Bon, les petits messages sur le côté, je les laisse parce que des fois j'oublie des trucs. Et donc ça peut être sympa un jour, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on doit faire. La fille. Par contre, ça m'inquiète quand même d'être déjà au chapitre 3 à ce stade de l'aventure. Je veux dire, on est à quoi? On n'est à pas beaucoup d'épisodes, là, 6e. Je trouve ça rapide quand même, en fait. Ouais, non, on n'est pas arrivé, en fait. Ça vous dirait pas de faire une petite pause? Ouais, je meurs de soif. Raison suffisante. Oh, mais il se gare ici, ça va, en fait. L'occasion de perdre du temps et de l'argent. Bon. Là, il y a de quoi dormir en plus, j'ai vu, je crois. Je sais pas, j'ai peut-être halluciné. Je veux voir les chocobos. Sinon, en fait, il y a un truc là. Ah, oh, c'est l'entrée normalement ici, c'est ça. Mais je sais pas trop. Non, il y a la caravane, j'ai pas rêvé. Wouah, vous avez vu ça? Ça fout des piafs, lui. Oh, vous savez, il y a pire comme fétichiste. Mais il est où? Ah, il est là. Vous savez, il y a pire comme fétichiste, ouais. Je prends aucun commentaire là-dessus, y a pas besoin, je crois. Bien le bonjour. On aimerait louer des chocobos.
louer des chocobos. Oh. Désolé, mais en ce moment, ça va pas être possible. Ah, oh, je veux le même foulard. Il y a un béhémoth qui rôde dans la région. Une bête féroce qu'on a surnommée Morteuil et que personne n'ose affronter. Oh, c'est la même chose que dans la démo, sauf que dans les démos, il pleuvait pas, quoi. Et je refuse de risquer leur vie. Alors pas de location pour l'instant. Cela dit, vous m'avez l'air de gars capable et débrouillard. Alors peut-être que vous pourriez vous charger de lui. Bien sûr, je vous récompenserai. Je ne peux pas vous forcer la main, mais pensez-y quand même. Bah ouais, on va y aller. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse? Tout va bien? Vous arrivez à tenir le coup? Du coup, ouais. C'est bon? On mange quoi là? Des chips! Quelque chose vous tente? Un smoothie! Oh, des sandwichs chocobo! C'est bizarre dit comme ça en fait. Des sandwichs chocobo, soit parce que ça vient d'un ranch chocobo, soit parce qu'il y a du chocobo dedans. Je vais me faire détester dans les commentaires d'avoir dit ça. Ces affreuses bestioles nous causent bien du souci. Mais c'est ça le B-mode du coup, non? Oh mais j'ai pas envie de faire des quêtes annexes maintenant, moi. Revenez quand vous voulez. En plus, comment savoir laquelle c'est la quête avec les B-modes du coup? Oh. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse? Bah, ça ressemble plus à ça en fait. Stressé. On va dire oui. Soyons fous. Allez, au boulot. En principe, on a le niveau en plus. Allez, à plus tard. Pas comme l'espèce de boss qu'on a eu à faire à un moment. C'est pas loin. Du coup, on va y aller à pied. Hop. C'est un petit peu haut quand même. Allez, c'est reparti. Ignis, en avant. Juste une seconde. Non, on parle. Mais là, il pleuvait pas dans la démo, par contre. Pas que je me souvienne. Allez. C'est quoi? Quelque chose cloche. Allons voir. Je crois que c'est la bonne quête. Je me rappelle, c'était trop bien dans la démo, ce truc. Allez, cours. Ah, je peux pas y aller. Oh, l'arnaque. Bon, il y a bien un coin où je vais pouvoir passer, non? Les gars! Je vois rien. Se montrer très féroce. Je suis coincé. Bien, quel est le programme? Non mais je suis coincé. Je sais pas ce que c'est ce truc. Surtout que j'étais bugué dans un arbre. Il est où? Oh mais ah mais j'ai plus beaucoup de vie. Ah mais j'ai plus de vie. Je crois qu'il est empoisonné. Laissez-moi partir. Ah merci. Tu me sauves la vie. Du coup je me remets à la chasse. Je vois rien. Fini de rigoler. Ronto a été contaminé. Mais non.
Oh mais non. Bon, quelqu'un me soigne. Toi. Non. Je veux pas me soigner. Non mais... Ah bah quand même. Oh mais non. Non. Mais non. Oh. C'est ma dernière quoi. Ça c'est la loose. Ça j'achète au moins. Oh c'était le dernier en plus. Ouais, on a eu chaud cette fois. Oh je suis tellement déçue. J'ai bien cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Bon, comment on fait pour y aller? Pas par là. Puis je vais éviter d'aller dans un coin, hein. Je vais rester coincé encore sinon. Non, ça devait être par là quand même. Oh, oups. Tu le fais exprès ou quoi? Pas grimper là-dessus. Allez, on va ramasser ça au passage. Sinon, je dirais pas noir trouver des queues de phénix. Du coup. Ah, il y a un truc à ramasser. Non, là. Non, mais. Non, mais t'es sérieux, là? Non, mais allez! Ah, voilà. Ouais, c'est comme dans la démo. Du coup, il y a un passage que je vais adorer. Bon, démo que je n'ai pas faite en vidéo. J'avais choisi de faire l'autre. En vidéo. Du coup, en fait, je me dis, s'il y a des quêtes annexes de ce style, en fait, je vais vous les faire en vidéo. De temps en temps, on s'arrêtera dans l'histoire pour faire des petites quêtes comme ça, je pense. Attends. C'est mortel. Il inspire confiance, ce petit. C'est quand même bien foutu. Hein. C'est bon, on peut y aller maintenant. Moi aussi, je reviens suivre Gladio comme ça. La fille, elle va jamais s'arrêter avec Gladiolus. Ah, c'est plus fort que moi. On est déjà à 33 minutes de vidéo, sinon ça passe super vite. Bon, c'est bien, on va où maintenant? Moi, je veux faire le chocobo avant la fin de l'épisode. Donc, s'il y a des mobs sur la route, ils iront voir ailleurs si j'y suis. Il lui manque bien son œil droit et une corne. On le surprendra sur son flanc droit. Mais allez, poursuivons-le. Il y a un truc à ramasser. Ouais, je le ramasse en cours de route. Allez. On reste pas coincé, surtout dans les arbres, hein, pas comme tout à l'heure. Redoublons de prudence.
Ah d'accord, fallait juste sauter. Il est là. On se le fait. Non. Il doit se diriger vers cette tanière. On va le suivre discrètement. Et on l'attaque. Ah oui, c'est vrai. Alors pas un bruit. Ouais, mais c'est pas pour moi. Les quêtes comme ça, piste et mortail. Je sais même pas où il est. Ah, il est là. Faut que j'essaye de le voir quand même. C'est bon, j'ai pris mes distances. Bah, c'est pas pour moi les quêtes comme ça. Oh, faut savoir, hein. Je vois toujours sa queue, c'est bon. Allez, petit, avance. Dépêche-toi. On va le suivre longtemps comme ça. Ça me paraissait pas si long dans la démo. Allez. Je suis un peu près quand même là. On est bientôt arrivé. Ah non 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 non. C'est bientôt arrivé. C'est long. Oh, c'est très long. Allez. J'ai cru qu'il allait faire un demi-tour. Vous imaginez le truc, oh non. Hein. Bon, on est bientôt arrivé. C'est loin chez toi. Ah, apparemment oui. Ouais. Bon. Ah, ici. Allez, Noctis, faufile-toi. Il commence à faire sombre, mais ça va, on me voit bien quand même. Allez. Normalement, on a le niveau. Non, je sais plus. On est quel niveau? Non, on n'a pas le niveau. On a deux niveaux en moins. On a à peine transpiré. On a deux niveaux en moins, mais ça va le faire. Mais j'y crois pas non plus. Hein. Ah, ça y est, faut l'abattre. La première fois, c'était mon compagnon qui avait fait la démo, en fait, pas moi. Donc, c'est lui qui avait tué le Behemoth, pas moi. Et je me souviens qu'on avait farm à l'époque dans la démo. Là, j'ai pas farm. Coucou la bestiole. D'accord.
Comment je fais ça? Oh la vache. Non, 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 je suis pas là. Je suis pas là, j'ai dit. Mais comment je fais ça? Mais il est déjà en train de mourir. Ah mais je rigole, mais moi aussi en fait. Mais pourquoi je peux faire... Mais mes potions, elles sont où? Bon, on va prendre ça, au pire. Non, 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 non. Non. Bon. Je vous laisse, les gars. Merci. Moi, je viens, mais comment on le fait exploser, ce truc? On peut pas, en fait. Ouais, toujours en vie. Si je le tape, non, ça se tape pas, ça. Au secours! Ça va être une défaite, mais tellement minable. Tout va bien. Je sais, je sais. Bah, je sais qu'il faut le faire exploser, mais... Mais comment dire que... Je pensais pas que ce serait si difficile. Non, je peux pas le lock. La situation est tendue. Non, 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 lâche-moi, c'est un ouf. Non, 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 non. Sinon, on est peut-être pas obligé d'exploser le truc après, hein. On va terminer cet épisode sur un game over. Non mais moi je mets... Ah ouais, c'est avec feu, mais en fait j'ai pas équipé feu. Lis les choses à moitié comme Lily. Mais en fait j'ai plus de feu. Et... C'est ça aussi le truc, c'est que j'ai plus en fait... Ok. Et je sais plus comment on fait, donc... Non, 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 lâche-moi. S'il y avait magie. J'adore. Je peux en mettre la blinde comme ça longtemps? Genre, je mets tout? Soyons fous. Comment on fait? Voilà, comme ça. C'est bon? Pas sûr. Lily essaye de comprendre comment ça marche. Et ouais. Non. Mais. On va pas tout comprendre. Ouais, ça. Je sais pas, genre... Déjà, je comprends même pas comment ça marche, le système, là. Genre, si je fais ça... Ah oui, c'est parce que j'ai pas fait... Je ferai pas de commentaires. Voilà, j'avais pas fait ça en fait, donc forcément, ça pose un souci. Voilà, je suis équipée. Venez m'aider. Les copains, venez m'aider. Mais tu me regardes, tu me demandes si ça va aller, t'es sérieux? Non. J'ai plus de queue de phénix. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon. Bon bah voilà. Le premier game over, m'a dit donc. C'est pas glorieux, hein. On reprend où en fait si on reprend? Bah déjà, un chargement. Bon. Bon, bon. En même temps, si j'apprenais à lire correctement au lieu de me lancer dans la bataille. Hein. Bon, je vais juste voir où je reprends. Si on reprend direct à son antre, ben on va continuer. Sinon, on s'arrêtera là. Mais ce sera un peu la tristesse quand même.
Allez, le chargement, tu m'aides pas. Ah, voilà. Bon, on reprend où? Oh, ça va. Ah, du coup. Du coup, est-ce que je suis équipée? Non, je suis pas équipée. Est-ce que la magie est faite, du coup? Non. Sinon, c'est pas drôle. Magie. Allez. Voilà, on synthétise. Équipé à la place de l'épée large. Voilà. Et on y retourne. Non, parce que c'est vrai que j'aimerais bien le faire. Ah, c'est pour ça qu'on pouvait absorber ça ici. Allez, on y va. Allez, cours. Bon, je sais pas à quoi ça sert quand même de faire exploser le truc, hein, mais... Allez, c'est reparti. Ouais, allez. Oui, j'ai vu, c'est bon, c'est pas la première fois que je le vois. Fais attention. Ah, j'ai raté. Ah, mais c'était pas loin. Mais pourquoi je peux pas y aller là? Le machin stratégique là, allez! Il est où sinon? Ah, il est là-bas, je veux pas aller là-bas. Moi je veux attendre que le feu revienne. Avant d'y aller. Ah non, 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 non! Reste loin de moi! Non, mais je sais pas viser aussi! Je vais réussir à me brûler toute seule. Je suis bien ici. Non mais les gars, restez là-bas avec lui. Comment je fais pour viser ce truc? Je peux pas le viser en fait. Ah non, mais non! Je sais pas où je suis! Bon. Après, forcément, si je sais pas viser... Non, mais je voudrais aller là-bas, en fait. Ah, puis j'ai plus de magie, en plus, maintenant. Bon, entre nous, ça sert à rien en fait. C'est quoi déjà ça? Non, 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 lâche-moi. Oh, mais je fais n'importe quoi. Il n'y a pas des trucs, il n'y avait pas autre chose à faire. Bon, on va faire tourbillon. Tu me sauves la vie. Non, on va pas faire tourbillon parce que j'étais à moitié morte en fait, mais c'est pas grave. Ah, je me suis trompé de touche. Mais je peux plus en faire. Ah si, je peux en faire d'autres, je me disais quand même. Allez, prompto. Ouais. Gladio, vas-y, parce que je suis en train de crever en fait. Merci. Sans déconner. Non, mais je vais jamais y arriver. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas le niveau en fait. Hein. Finalement. C'est quoi ça? Bon, je vais reprendre ça quand même. On sait jamais, hein. Ouais, en fait,
Bon, on va se quitter sur un game over, il n'y a pas à dire. Hein. Le jeu ne veut pas. Bon, d'accord, j'ai pas le niveau aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, des fois ça passe, même sans... Voilà l'écran titre, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ce bel écran titre. Ouais, enfin... Allez. Non, mais pas celui-là. On a compris que c'était un FF pour tous les fans, genre les nouveaux, les anciens, allez. Bon, c'était pas très glorieux, hein. J'espère rappeler cet épisode Behemoth et Chocobo, mais c'est un peu mort, quoi. Bon, mais en tout cas, j'espère que ces premiers Game Over vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous moquer, vous avez le droit. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.